Le futur souhaitable pour l'horizon 2035 serait que les plus pauvres soient vraiment partie prenante en fait de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques. Car actuellement, ils sont vraiment stigmatisés aujourd'hui, rendus responsables de leur situation et peu partie prenante en fait des décisions qui les concernent. Or, ils ont, par leur expérience, par leur courage, par ce qu'ils vivent au quotidien, ils ont beaucoup à nous apprendre et ils ont des savoirs, des aspirations. Si la société arrive à les prendre en compte, elle ne pourra que progresser vers plus de liens sociaux, plus d'inclusion. En fait, une société de 2035 sera une société où les institutions n'humilient personne, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Le CESE doit contribuer en affirmant que la lutte contre la pauvreté, en particulier l'éradication de la grande pauvreté, reste une priorité et qu'elle doit être au cœur de toute l'élaboration des politiques publiques. Une société fondée sur les droits de l'homme, la dignité de cette société se fonde sur des politiques publiques évaluées à l'homme du plus démuni, du plus exclu et qui doit rester en fait un moteur, une exigence de l'élaboration des politiques publiques.